masse de gens dans les aéroports. C'est bizarre, tu trouves pas, Audi? Très bizarre. Écoutez-moi, Tony. Le seul coupable, c'est le psychiatre. Il a manigancé tout ça. Captain. Altesse. Trêve de mondanité. Ross ne m'a donné que 36 heures pour vous arrêter. Et il y a déjà 20 heures de ça. Ne me rendez pas la tâche plus compliquée. Vous commettez une erreur. Vous n'êtes pas à même d'en juger. Votre vieux copain a encore tué beaucoup d'innocents. Et il y a encore au moins 5 super soldats comme lui. Il faut qu'on les trouve avant le psychiatre, Tony, sinon... Steve, tu sais très bien comment tout ça va se terminer. Tu tiens vraiment à te battre, tu es sûr? Bien, ma patience a des limites. Colin, à toi! Bien joué, mon grand. Merci, j'aurais pu être un peu plus souple à la réception. C'est à cause du costume neuf, mais c'est pas grave, monsieur Stark. C'est parfait, merci beaucoup. Oui, si on pouvait s'abstenir de parler chiffon. D'accord. Captain? Spider-Man, je suis un de vos fans. Mais bah, plus tard, d'accord? Contente-toi. Salut tout le monde. D'accord. Vous n'avez pas perdu de temps. Et vous êtes complètement inconscient. Vous êtes allé chercher Clint. Vous avez fait sortir Wanda d'un endroit qu'elle ne voulait même pas quitter, un lieu sûr. J'essaie de préserver. Je perds du temps à vous empêcher de diviser les Avengers. Il aurait fallu ne pas signer. Ça suffit. De deux choses l'une, soit vous nous livrez tout de suite Barnes, sans condition, soit vous résistez. Auquel cas vous auriez affaire à des commandos des opérations spéciales qui seront nettement moins aimables que nous. Captain. On l'a trouvé. Leur Quinjet est dans le hangar 5 face à la piste nord-ouest. Vas-y, Lang. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est à vous, Captain America. Ah, d'accord. Bon, ils sont deux sur le parking, dont Wanda Maximoff, je m'occupe d'elle. James, tu te charges du Captain? Il y en a deux dans le terminal, Wilson et Barnes. Barnes, c'est pour moi!